Le but aujourd'hui, c'est de trouver les meilleures affaires avec Chihiro, les gars. C'est le seul budget qu'on aura et de remplir le classeur avec les 151 premiers Pokémon. Je vous montre tout ça, c'est parti. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce bleu et l'abonnement pour suivre les brocantes. Bon, on arrive tranquillement, c'est encore en train de déballer. Bon, ça, c'est un stand de poisson, je pense, ou de légumes, c'est pas un truc qui nous intéresse. Nous, ce qu'on est venu chercher, c'est du Pokémon. Toujours bien fouiller les petits bacs, on sait jamais s'il n'y a pas un petit classeur qui traîne dedans ou des cartes dans un élastique. C'est déjà arrivé plein de fois. Plein de petits jeux, du vintage et des cartes juste ici. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'était vide à la base, si ça a été vidé. Donc, dans le classeur, le but, c'est d'avoir les 151 premiers Pokémon. Là, il va nous manquer Roucarnage. Donc Roucarnage, puis Alphabet Crash, pas d'épic. C'est tout cela après qu'on cherche. Donc là, peut-être pouvoir trouver un petit truc sympa en feuilletant. Voir un petit ultra. Hein. Ça fait attention les gars, quand vous voyez un bac comme ça, c'est que c'est des falches en fait. Vous voyez, la teinte elle est pas pareille. En plus il y a de l'espagnol. Germignon, très très beau le Germignon. D'ailleurs, ce Germignon là est vraiment stylé parce que il y a une petite histoire avec là. Bon, on est très loin du Germignon. On regarde les jeux, c'est jamais s'il n'y a pas une petite version qui traîne. J'ai déjà trouvé la boule une fois, pas trop cher, donc pourquoi pas. Hein. Petit sac rempli. Ça va être que du récent. Tac tac. 1 euro pièce. Ouais. Rien de foufou. C'est une fausse, bien sûr, vous voyez comment ça brille. Petite V d'exagir, pareil. Très très beau ça. C'est la mèche promo du coffret poster 151. D'ailleurs, ils ont pas été réimprimés ces coffrets. Chido, Greenwick, Exagide, ok. Ok, pourquoi pas. En vrai, j'aime bien ce genre de petites promos comme le Salamèche, là, je les trouve très belles, surtout dans Violet et Carat, parce que en fait, il y a le petit holographisme autour là qui ressemble un peu au graphisme des ex du Blockex, donc les cartes les plus rares à l'époque. Hein. Donc le Blockex, c'est à peu près entre 2003 et 2007, je crois, de mémoire. Mais bon, là, ils faisaient tout à 1 euro, que ce soit les copies, les holographismes, ce que vous voulez. Bon, ça vaut peut-être le coup de prendre des V à 1 euro, mais pas dans cet état-là, je pense. Ça, les brocantes maintenant. Stylé de l'anquinoïde. Oh. Ah non, c'est de l'anglais. Ouais. On arrive à une deuxième brocante. Enfin, troisième. Ce qui s'est passé, c'est que hier, il n'y avait pas grand chose dans la brocante, mais j'ai croisé des gens. Et j'ai parlé un peu avec eux. Apparemment, ils avaient des petits trucs Pokémon, etc., qu'ils pouvaient mettre de côté pour demain. Et ils m'ont dit qu'on se donnait rendez-vous ici. Donc, normalement, dimanche, c'est mon jour de repos. Mais aujourd'hui, on a décidé d'aller chasser. Bon, un peu plus tard. Hein. Je vous avoue que j'arrive à 9h. J'arrive un peu après la guerre. Mais des fois, il y a des gens qui déballent un peu plus tard parce qu'ils ont envie de dormir, justement. Et bien sûr, compléter le classeur. À savoir que là, ce que je vais récupérer chez les collectionneurs, je le compte pas dans les 10 euros de budget, évidemment. C'est quelque chose en dehors, les gars. J'ai pas trouvé de collection à 10 euros. Hop, 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 Pokémon. Évidemment, les cartes c'était des fausses. Donc on va pas les prendre. C'est dommage, on continue. Alors, du Pokémon, du Ténèbres embrasé ici. On va avoir du duo pack. Ouais, ok, pas mal. Tac, ok. Alors, règne de glace, grec étincelle, origine perdue, il y a plein de belles choses. Chopac, star étincelant. Ah ouais, il y a de quoi faire, les gars. Il y a de quoi faire. Point de fusion. Origine, ok. Ah, des trucs sympas quand même.
Bon, on vient de voir pour le petit rachat de collection. Je vous montre ça après. C'est des items vraiment stylés. Le prix il est correct honnêtement, après des fois c'est ça peut paraître un peu haut, mais bon les gars, des fois faut payer à peu près à la cote, mais en vrai le prix est très correct. J'ai réussi à négocier un tout petit peu histoire de d'avoir le de me dire au moins j'ai un peu d'ego, mais j'ai pas pu non plus trop, mais franchement très très correct. Je vous montre ça à la fin. Là on va continuer la brocante pour compléter le petit classeur, et d'ailleurs apparemment il y a quelqu'un avec un coffret tout au fond de la brocante. Apparemment le stand est caché ici. Faut voir là. Oh là là, on dirait une foire. Tellement de monde. On est en train de chercher gros carnage, ratata, ratatac et rasta des piques et bien fabrique. Donc si on en trouve un, on récupère ça les gars. Tout petit garçon. Alors, malheureusement, j'aimerais bien lui acheter un truc en vrai. C'est cool pour lui. Ah, il n'y a pas malheureusement. Bon. Récupérer quelque chose quoi dans cette brocante là? 1€. 1€? Non, t'as un mytho, sur ma vie. Oh la dinguerie frère. Wow, sur ma vie. C'est une dinguerie. Et il est pas recelé ni rien. Ah. Attends. Ah, putain, tiens, on va faire le test. Ah, on va pas l'ouvrir, t'inquiète. Ah ouais. Putain, t'as trouvé ça folie, gros. Et il y avait que ça genre. Il y avait des vêtements. Et elle m'a dit si je vois bien d'autres Pokémon que j'ai pris. Wow, incroyable. Bah, c'est trois fois. Ah t'es trop content. Ça y est, t'as fait ta journée là. Ça y est. Bien joué. Si jamais tu vois un roucoule ou un raspa des piques, tu me fais signe. Non, tu les boîtes à mettre, ça te donne ma gueule. Ça, tu l'enlèves, ça va. Très stylé, le registre. Ouais, je mets de la petite rouge. Un petit raspa des piques. Bon après faut voir pour le tarot. Voici le classeur. Ta-da-da. Donc vous voyez, on a les premiers Pokémon. En plus on a un upgrade certain. On va avoir un classeur assez stylé. Et en plus on a de très très belles illustrations les gars. Donc vraiment magnifique. On a même une petite alternative là. Donc il nous manque gros carnage là. Piafabek, raspa des piques. Ah raspa des piques. On a récupéré le petit raspa des piques ici. En plus c'est une reverse les gars. De quelle série d'ailleurs? C'est une reverse de quoi? C'est une reverse de diamant et perle. Donc pas mal du tout. Hop là. Bon les gars, pas de sleeve, hein. C'est des cartes qui ont vécu de toute manière. Bon on continue le classeur. Regarde des petits gros carnages. On continue à compléter. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? Pikachu juste ici. Oh, je regarde Pikachu, je vais bientôt y arriver à Pikachu. Bambusa. Evoli. Petit Raichu ici. Bon, je prends, je verrai le prix après. Tant que c'est pas dans le classeur les gars, que je le mets pas dans le classeur, c'est pas des cartes acquises. Alors. Alors. Nérofé. On a rajouté. Le petit ratatac là, on va avoir le petit Raichu qu'on va mettre ici. Bon, les places, je vais peut-être les modifier après. Je sais plus si c'est d'abord Pikachu ou d'abord Abo et Arbok. Je crois que c'est Pikachu. Rocarnage, je suis en fou, je l'ai mis là. C'est pas là, Rocarnage, là, c'est Ratata. Rocarnage, c'est ici. Hop, voilà. Ça va, on commence à avancer petit à petit. En vrai, j'ai rempli qu'une page là. Ah, je vais me tuer. Bon, moi ça avance ces derniers temps, moi ça avance. Qu'est-ce que t'as trouvé là dans la brocante? Qu'est-ce que tu nous caches derrière cette boîte? Ok, sympathique, un petit texte. Tu fais la collection des... Oh là là, j'ai déjà vu des trucs là. T'as dû les toucher pas cher. Oh. Ah, wow, je vois des trucs là. Ok, ça c'est du coréen, il me semble. Ouais, c'est un truc que j'ai acheté sur... SiftSG. Ah, la meilleure boutique. D'ailleurs les gars, vos précos V8, n'hésitez pas. Il reste un peu de stock là. Oh, là vous avez été très très chaud. Oh, trop beau. T'es ça pas cher? Oh, pas cher. Oh, trop bien. Bien joué à toi. T'as complété en plus. Bien joué à toi. Ça commence à être compliqué à trouver le tonnerre perdu en vrai. Ouais. Tu fais une vidéo là? Ouais, je fais ma petite vidéo brocante comme toutes les semaines. Tu veux passer dedans? Non, je t'en prie. C'est bon. J'ai eu ma dose. Petite carte ancienne du 2005 ici, petit holo. Sympathique ça. Inconnu.
Ouais. On a toutes les V. Petit dracoloche du coffret. Ça dépend de du coffret avec du Eclipse Cosmique dedans. Très très beau coffret. D'ailleurs, l'éclipse cosmique, c'est devenu tellement dur. Qu'est-ce que c'est une bière chacale. Qu'est-ce que c'est que ce TCG? C'est quel TCG ça? Je sais même pas. C'est Invisimals. Invisimals, ouais. Ah ouais, d'accord. Première fois j'en vois. Moi aussi. Elle a vraiment la carte, il n'y a pas un peu de dessus. Petit Dracolos. Ouais, l'éclipse cosmique, c'est tellement dur. Et c'est ma série préférée en plus. Franchement, je te laisse me débrouiller, je regarde ça. Charbonbon, Trouton. Ok, Archiduc, Beto Chef. Chichi Squad ici. C'est sympathique. Là, on va avoir des cartes d'avant-première. Clash des Rebelles. Astro Radio. Ah, des jolies cartes. En vrai, y a de quoi faire. Hein. Magnifique. Méga Rayquaza. Très 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 beau ça. Ça c'est des prix. Il est malin papa. Hein. Non, ça c'est le numéro des pages. Malin papa. Hein. Chiabola. C'est du set de base. On n'a pas le gros set de base, malheureusement. Très très beau le Harbok. Hein. Magnifique. Je vais vous montrer un peu. On a rempli le classeur et on a trouvé des trucs cool. Donc deux coffrets Roi Gada juste ici les gars. En plein, vous voyez. Une quarantaine d'euros, ça c'est cool. Et regardez ce que j'ai trouvé, j'en avais pas. Alors elle est pas super propre, mais il me l'a manqué. Donc ça va faire l'affaire pour le moment. Elle est même déchirée. Ah ouais, mais elle est déchirée en fait. Ah, j'ai même pas vu. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Un peu déchirée celle-là. Et on a une alliance infaillible. Voilà. Donc ça plutôt cool les gars. Très très joli ça. Ça, je suis dégoûté pour l'armoire d'esprit, je voulais la garder dans ma collection. Et puis on a récupéré une pelletée de... Alors on les a payés à peu près 55 pièces. Donc vraiment cool. Sachant que j'ai pas beaucoup de XY Evolution, je me suis dit pourquoi pas. Bon, c'est pas dans un état de fou au niveau des duo packs, mais par contre les boosters, ils ont rien, ils sont nickel. Voilà. Donc c'est cool. On est resté dans le budget, on a trouvé pas mal de trucs, ça bien sûr, c'est le rachat de collection, les gars, on prend pas ça dans le budget, on va pas se mentir. Je vais pas passer à côté d'une affaire pour... comme ça pour voilà hein, pour récapter. Bah ça fera un box break donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur WhatNote, vous avez 15 euros offerts en plus et vous pouvez suivre sur n'importe quel live, le lien est dans la description, vous cliquez, vous inscrivez, 15 euros offerts, ça soutient, ça fait plaisir. Donc brocante rentable en soi et je te laisse suivre les autres juste en cliquant là et abonne-toi bien sûr.